Décidément, Rachelet Mollian, on fait des rencontres étonnantes. Geoffroy, bonjour. Vous êtes un des responsables de Média Graphique. Alors, Média Graphique, une description rapide. Alors déjà, Média Graphique, nous sommes un groupe Société à Mission. Société à Mission. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une véritable politique RSE au niveau de l'entreprise. Et dans notre démarche RSE, effectivement, on a Fernando qui intervient à l'intérieur de notre entreprise pour sensibiliser le personnel à tout ce qui est artistique. Alors, la rencontre s'est bien faite, évidemment. Et puis, on est devant justement une œuvre dans laquelle vous êtes un peu pour quelque chose, je crois. Exactement. À la base, si vous voulez, ce type de caisson, notre société, notre groupe, le fabrique pour la communication graphique. Et l'idée de Fernando, ça a été de dire, eh ben, finalement, pourquoi ne pas mettre des œuvres ? Si bien qu'on a commencé à collaborer avec lui, où il nous a réalisé des œuvres qui sont éclairées. Et aujourd'hui, on a d'autres artistes, effectivement. Et puis qui se disent, c'est quand même génial. Exactement, parce qu'une œuvre éclairée, bah, c'est pas courant. Alors, on a l'impression que c'est le monde de la pub qui croise le monde de l'art. Mais ça, c'est ancien, quand même. Depuis toujours, il y a eu des relations entre les deux. Toujours, mais effectivement, le monde de l'art apporte énormément de créativité dans ce qu'on fait. Et avec Fernando, au départ, on s'est connus sur un très beau projet. C'est-à-dire que nous fabriquons des toiles que nous commercialisons pour la communication graphique. Et ces toiles sont en PVC. Et à un moment, on avait besoin de les recycler. Donc, on est arrivé à les recycler en pas à pas, qui sont des tongs. Et Fernando nous en décore. Et l'objectif, c'est d'en redistribuer pour l'Afrique. Mais d'avoir des tongs décorés. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme quand on récupère le plastique des bouteilles. Il va resservir par la suite. Et puis, avec une idée qui est quand même assez, assez émouvante, les petits Africains vont avoir des œuvres d'art au pied fabriquées avec nos restes, finalement. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'était de renvoyer des tongs dans les pays d'Afrique et de leur dire, regardez, on a des artistes de renom qui les décorent. Si on vous les donne, on vous offre les stylos, les feutres et vous les décorez, c'est-à-dire que vous participez aussi. Vous êtes vous-même artiste ? Non, pas du tout. C'est que je voulais, moi... Non, mais les petits Africains ? Exactement, c'était ça, voilà. C'est-à-dire les impliquer, pas juste donner, voilà. Et que dans notre démarche, qu'il y ait un sens à la fois pour nous, mais comme pour eux. Et alors, vous embarquez vos collaborateurs dans une aventure pareille ? Ils sont heureux ? Ah oui, ça c'est vraiment le type de projet qui fédère et qui intéresse vraiment tout le monde. Pourquoi ? Parce que souvent, et si on prend l'art, les gens s'interdisent. Beaucoup de gens souvent... C'est pas pour moi. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec des gens comme Fernando, ça permet vraiment d'ouvrir les choses et de dire si, voilà, chacun ses émotions, chacun voit les choses comme il veut, mais voilà, c'est ouvert aussi pour vous. Et alors, la rencontre avec Roche-la-Molière, c'est un petit peu inattendu. Là aussi, on est dans une commune étonnante. Oui, effectivement. Au départ, je ne vous cache pas que Roche-la-Molière, je ne connaissais pas spécialement. Parce que vous n'êtes pas le seul. Déjà, Saint-Étienne, plein de... Voilà. Et c'est vrai qu'avec la collaboration de Fernando, a fait qu'on s'est mis à connaître Roche-la-Molière. En plus, ça, il défend énormément Roche-la-Molière. Il nous a présenté, en plus, ça, le maire de Roche-la-Molière, qui est très dynamique, avec lequel voilà, on a des projets dans les cartons qu'on va faire évoluer et voir même au niveau national si on peut faire des choses intéressantes. Eh bien, écoutez, merci et bienvenue chez nous et bravo. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.